Bonjour tout le monde, alors aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo où je vais vous montrer une recette de slime qui marche à tous les coups avec seulement deux ingrédients très faciles à trouver. Il vous faudra de la pâte à fixe de n'importe quelle marque, donc moi j'ai pris celle de chez Jiffy, la moins chère, elle coûtait même pas 1 euro, et du gel douche de votre choix. Donc moi je vais utiliser le gel douche, mon savon que j'ai déjà testé dans la semaine avec du sel. De commencer cette recette de slime, n'hésitez pas à liker et partager, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait et à activer la cloche des notifications. N'hésitez pas également à aller voir mes anciennes vidéos où je vous montre des recettes de slime sans colle et sans borax qui marchent à tous les coups, j'en ai fait plusieurs sur la chaîne. Vous commencez par prendre un morceau de pâte à fixe que vous venez tout simplement travailler et chauffer entre vos doigts pour que ce soit un petit peu plus étirable et plus facile à travailler ensuite avec le gel douche. Vous allez voir que c'est très très dur la pâte à fixe au début, il faut la chauffer cette pâte. Donc moi j'aime bien celle de chez Jiffy parce qu'elle est déjà plus facile à malaxer que d'autres pâtes à fixe comme la jaune par exemple. Ça ressemble déjà beaucoup à un slime quand on commence à la travailler, regardez. Vous pouvez en facultatif venir colorer aussi votre pâte à fixe avec du colorant alimentaire ou autre. Donc là, elle me semble bien chauffée. C'est assez long à préparer ce genre de slime. Il faut beaucoup de patience. Mais là, c'est vrai qu'elle me semble vraiment pas mal. Elle commence à bien s'étirer. Je dois venir ajouter mon savon. Donc, comme je vous ai dit, vous utilisez n'importe quel gel douche. Normalement, ça devrait fonctionner. Moi, je n'ai jamais testé avec le mon savon. Vous pouvez aussi également utiliser de la crème pour les mains. Donc, allez-y petit à petit, hein. Moi, j'en ai vraiment pas beaucoup au début. Surtout que c'est super long à travailler avec le gel douche. Mais si vous en mettez trop, ça va trop glisser. Et ça va être super dur à travailler. Là, je continue la même manipulation plusieurs fois. Donc moi, je vais peut-être le colorer juste après parce que c'est vrai que c'est blanc et que... Voilà, avec un petit peu de couleur, ça va être un peu plus joli, je pense. Mais d'abord, j'aimerais finir de travailler cette pâte, ce qui est très très long, hein, pour obtenir un slime qui s'étire mieux sans trop forcer, parce que c'est vrai que là, pour l'étirer, je suis obligée de forcer. Il faut pas mal de gel douche, mais il faut le mettre petit à petit pour ne pas en mettre trop. Donc voilà, à doser, c'est assez compliqué. Il faut, comme je vous ai dit, il faut beaucoup de patience. Là, j'ai osé en mettre un petit peu plus. Elle commence à être plus facile à travailler. Donc j'en profite pour en mettre plus, justement. Regardez, on commence à pouvoir l'étirer comme un vrai slime. C'est plutôt cool. Ce que je ne pouvais pas faire tout à l'heure, au début, quand j'avais ma pâte à fixe normale. C'est vrai que cette pâte à fixe de chez Jiffy, je vous la recommande vraiment. Je trouve que c'est le meilleur résultat que j'ai obtenu avec une pâte à fixe, avec celle-ci. Après, peut-être qu'il y en a d'autres qui fonctionnent aussi bien. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous en connaissez d'autres qui fonctionnent très bien comme celle-ci. Allez, on continue. Il n'y en a toujours pas assez. Donc, je vous montre chaque étape en accéléré par moment, bien sûr. Mais voilà, je ne coupe pas la vidéo pour bien vous montrer qu'il n'y a pas de triche, que c'est bien juste avec du gel douche et la pâte à fixe qu'on obtient ce slime. On n'est vraiment pas loin d'avoir obtenu la texture souhaitée. C'est plutôt pas mal. Plus facile à malaxer qu'au début. Vous voyez quand même qu'il faut quand même pas mal de gel douche pour l'obtention de ce slime, c'est tout à fait normal.
C'est vraiment ultra facile à faire. C'est juste un petit peu long, donc voilà, c'est une recette que je ne fais pas souvent sur la chaîne, mais pourtant que j'aime beaucoup. La pâte à fixe devient de plus en plus molle. Ça commence même à faire le bruit d'un vrai slime. Je pense qu'après tout ça, on va être vraiment pas mal. J'ai mis vraiment pas mal de gel douche. Regardez-moi ça, on obtient vraiment un vrai slime, c'est plutôt cool. Donc là, j'ai mis assez de gel douche, j'ai obtenu mon vrai slime qui est juste super sympa, très très doux et super léger, c'est plutôt sympa, j'aime beaucoup. Maintenant, je vais venir le colorer. Écoutez, je vais lui mettre un petit peu de colorant bleu. Allez, c'est parti, je vais en mettre un tout petit peu. Ok, j'ai dit un petit peu, mais ça a coulé un petit peu vite. Bon, comme d'habitude, j'en ai plein les doigts. Normalement, je devrais obtenir un beau bleu qui tourne un petit peu sur le pastel. Donc il est très très pâle, mais j'aime énormément. Et regardez, mon slime est totalement terminé. N'hésitez pas à le noter sur 10 dans les commentaires. Écoutez, moi niveau texture, je lui donne directement son 10 sur 10. Également pour la couleur, j'aime beaucoup. Pour moi, il est juste parfait. Comme je vous ai dit précédemment. Je suis trop trop fan. La seule petite chose que je pourrais lui reprocher, c'est que ça mousse un petit peu. Mais écoutez, vu tout le gel douche que j'ai mis à l'intérieur pour réussir à obtenir mon slime, c'est tout à fait normal. J'espère sincèrement que ma vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas les pouces bleus, partagez et abonnez-vous. Bisous les amis!